Good morgen, allez, Daniel Chus aujourd'hui, Lire Fouat, Etel Myriam Léa, Bat Sarah, Chayerivka, Bat Léa, Ebna, Anoladla, Sarah, Bat Nechama, Chana, Léa, Bat Gitel, Deborah, Betor, Chachol, Israël. Si vous êtes aux idées d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet Psachim, Père Gemel, Mishnah Gemel. Keitzad Mafrishim Chala Betuma, Beyom Tov. Rabbi Eliezer Omer, Lo Tikrala, Shem, Hachete Afe. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Tatil Betzonen. Amar Rabbi Yoshua, Lo Zehu Chametz Shemuzerin Alav, Bebali Raeb, Bebali Matze. Et la Mafrashta, Omanichata, Ada Erev, Vimechemitza, Echmitza. Problématique, très originale de la Mishnah, très, très fréquente d'ailleurs. Comment, Keitzad Mafreshin Chala Betuma Beyom Tov. Comment prélever la Chala d'une pâte qui est devenue impure à Yom Tov. Soit, d'abord, la chala, c'est un prélèvement qu'on fait et qu'on donne au Kohen en temps normal. Ouais, notre pas qu'on ne fait plus parce qu'on est de toute façon tous impurs. Donc le Kohen n'a plus rien à faire. Mais à l'époque où les lois de pureté étaient encore pratiquées, alors on prélevait la chala et on l'a donnée au Kohen et le Kohen l'a mangé. D'abord, on va commencer un cas classique. Si, toutefois, à Yom Tov, je pétris du pain, on peut pétrir du pain à Yom Tov, il n'y a aucun problème, et le faire cuire au four aussi. Yom Tov, ou le vado yasselachem, et on a le droit de le. Mais melechat ochel nefesh, c'est permis. D'accord? Donc, je prélève de la pâte, je décide que ça va être de la challah, je la fais cuire au four, après je la donne au Kohen. En soi-même, il n'y a pas de problème. Par contre, si la challah est devenue impure, alors là, c'est une galère. Pourquoi? A Yom Tov, qu'on a le droit de cuisiner, c'est que pour le manger à Yom Tov, pour en tirer profit à Yom Tov. J'ai pas le droit de cuisiner à faire cuire à Yom Tov quelque chose que je ne vais pas manger. C'est un interdit même d'Oraïta. Il y a une dérogation qui a été donnée pour lorsque tu veux manger. Mais si c'est faire cuire pour sans aucune intention de manger, allumer du feu, sans but, même mieux que ce soit, cuisiner pour un goy. On a le droit de cuisiner, mais pour un juif, pour un goy, on n'a pas le droit de cuisiner à Yom Tov. Tu cuisines pour un goy, tu transgresses un interdit minatora de cuire, parce que c'est interdit de faire cuire. Même les travaux, ils sont interdits, si ce n'est le fait que tu as une permission pour manger. Ok? Donc maintenant, on a une trauma, une chala qui est devenue impure. Qu'est-ce que j'ai plus rien à en faire? Maintenant, je vais prélever la pâte. De cette pâte, je ne peux pas la faire cuire. Parce que le Kohen, il n'a rien à en faire. Le Kohen, il ne peut pas manger la chala si elle est impure, même si le Kohen, il est devenu impur. En temps normal, en semaine, il peut l'utiliser pour la brûler et en faire de la chaleur s'il veut. Mais à Yom Tov, on n'a même pas le droit de brûler ce qui est impur. On apprenait ça dans Maserhet Shabbat, avec l'huile qui est devenue impure, on n'a pas le droit de l'allumer pendant Yom Tov. En madelikin shemen serefa be Yom Tov. On le dit ça, tous les juifs le disent le vendredi soir, lorsqu'ils vont dans la Maserhet, dans le parik be madelikin, à Shabbat, on dit en madelikin shemen serefa be Yom Tov. On n'a pas le droit de brûler de la tourmat mea à Yom Tov, même si le Kohen en tire un profit de s'éclairer. On n'a pas le droit de brûler ce qui est impur, les kochim impurs, on n'a pas le droit de les brûler. Donc, je reprends. J'ai ma pâte, elle est devenue impure. Si je veux prélever, je ne peux rien en faire, je ne peux pas la faire cuire. Je ne peux pas la donner, parce que le Kohen n'a rien à en faire. Donc, elle n'est pas mangeable, je ne peux pas la faire cuire. Si je la laisse en l'état, alors, elle va fermenter, ça va devenir du chametz. Alors là, malgré tout, je vous introduis de la matière à penser, c'est vrai qu'elle va devenir, elle va fermenter. Mais d'un autre côté, peut-être que la trauma, c'est plus à moi, ça appartient au Kohanim. Donc moi, je transgresse plus l'interdit. Les Kohanim, j'ai pas désigné à quel Kohen spécifiquement ça va revenir, donc ça appartient pas à lui. Donc en théorie, en fait, il ne devrait pas y avoir de grand interdit à la laisser telle quelle, comme ce qu'on va voir ensuite, on discutera un petit peu sur le sujet. Donc, pour le moment, donc j'ai la chala, c'est la problématique. J'ai ma pâte qui est là. Si je prélève un bout, j'ai rien à faire avec cette pâte. Je ne peux pas la faire cuire, strictement interdit. Si je la laisse en état, elle va devenir chametz. Quelle solution j'ai? Rabbi Eliezer Omer, lo tikra l'Hashem ad shetéafé. Rabbi Eliezer, lui, te dit, tu sais ce que tu fais? Tu ne prélèves pas la trouma, la chala, tant que c'est en pâte. Tu fais tes matzot, tu fais tout cuire. Une fois que ça a cuit, tu prélèveras la trouma une fois que ce sera... Tu prélèveras la challah une fois que ce sera cuit. Quand c'est cuit, ça ne va plus fermenter. Et ensuite, tu ne l'utiliseras plus. Rabbi Eliezer, il pense quelque chose de
aussi qu'il faut y réfléchir. Tout d'abord, vous savez bien que si on n'a pas prélevé la chala de la pâte, il y a encore un rattrapage quand on va faire sortir le produit du four. Vous prenez la barre. D'ailleurs, concrètement, dans les mafiot, aujourd'hui, ou quand on pétrit des matzot, on se débrouille de faire moins de 1 kg. Donc il n'y a pas d'obligation de prélever pour le moment. C'est qu'à la fin, lorsqu'on va réunir toutes les matzot ensemble, on va les mettre dans un grand ustensile, on va faire un tsirouf sale. Alors là, ça va devenir imposable de chala, on va le prélever. Abelézer te dit, tu sais quoi, lorsque tu fais cuire Yom Tov, tu fais cuire des matzot, et après seulement tu prélèves. D'accord? Comme ça, on a résolu le problème. Pour le moment, il n'y a pas de chala que tu fais cuire. Tout pain, il est potentiellement, il peut être consommé par toi. Donc il n'y a pas d'interdit de cuisiner. Pour ça, pour le moment. Et après, tu prélèverais, ça ne viendra pas chametz. Voilà la proposition d'Abelézer. Maintenant, je vais tout de suite soulever le problème, parce qu'en fait, on va découvrir deux avis qui discutent sur ça, qui sont Rabbi Yehuda ben Metera et Rabbi Yehoshua. Je vous explique la problématique qu'ils ont. Concrètement, imagine que tu vas réussir à faire 50 petites matzot. Il y en a au moins deux d'entre elles qui vont être... Une qui va être au moins la chala. Qui va être la chala. Donc il s'avère que lorsque tu vas faire 50 matzot, c'est vrai que pour le moment, lorsque tu as pétri ton pain, tu as étalé ta pâte, tu as fait 50 petits ronds comme ça, des petites galettes. Très joli, on ne sait pas qui est la trouma, mais tu sais bien qu'il y en a une qui va cuire pour rien pendant Yom Tov. Donc là, il y a un problème. Rabbi Eliezer, il va dire, mais c'est pas grave, parce que finalement, tu peux prendre aussi une miette de chacune, c'est indéfini, ça suffit. Les autres vont te dire, non, écoute, puisque sur le global, il y a ici au moins une matzah qui va être pas consommée, tu es en train de faire cuire 50 matzot, il y en a une avec qui tu es en train de rentrer dans l'interdit. Donc ta solution, Rabbi Eliezer, ne nous convient pas. Du coup, il propose autre chose. Rabbi Yehuda Omer, t'as-t-il Betsonen? Rabbi Yehuda ben Betera, il te propose, tu sais ce que tu fais, tu la mets dans de l'eau froide. Tu prends de l'eau froide, et une fois que tu as fini de pétrir, tu la mets dans l'eau froide. Si l'eau est bien froide, la pâte ne va pas fermenter. Dans notre époque, on pourrait traduire ça, tu la mets au congélateur. Au congélateur, elle ne va pas fermenter. Elle n'a pas, il faut un minimum de chaleur pour que ça fermente. Tu la mets dans le froid, elle ne va pas fermenter. Rabbi Yehoshua, Amar Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua lui vient, il te dit, écoute, je ne comprends même pas de quoi vous parlez en fait. L'oseu chamet shimuzari malav bebalirei ou bebalimatse. Ce chametz là que vous parlez depuis tout à l'heure, c'est pas lui que je suis interdit de Shani Mouzhar, je traduis mot à mot. Lo Zehu, ce n'est pas lui le chametz chez Mouzharim Alav, qu'on est enjoint par la Torah. Une Hazara, c'est un lave de la Torah. Bebalirei ou bebalimatse, l'interdit de ne pas le voir ou ne pas de posséder du chametz. Soit l'interdit de posséder du chametz, il ne s'applique pas sur ce. Sur cette rala, vous vous cassez la tête pour rien, trouver des solutions à aucun problème. Et la mafrashta, seulement quoi, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yehoshua? Tu la prélèves, ou manichata, et tu la laisses, à daerev, jusqu'à la sortie de Shabbat, de Yom Tov plutôt, veimechemitza et chemitza, et si toutefois elle va fermenter, bah tant pis, qu'elle fermente. Moi, la chala n'est pas mon bien à moi, parce que dès que je l'ai prélevée, c'est plus ma chala. J'ai peut-être un devoir de la donner au Kohen, mais c'est plus mon bien. Donc je ne transgresse plus l'interdit de balayer ou balayer. C'est comme du kochim, des kochim. Le Kohen, on n'a pas désigné à quel Kohen ça va revenir. Lui, transgresse pas l'interdit de balayer ou balayer. C'est parfait, tu la laisses comme ça. Rabbi Eliezer, malgré tout, n'est pas d'accord avec cette solution. Et lui trouve qu'il y a un autre problème. Le Bartanoir explique. Il y a une halakha très originale dans les prélèvements des Troumot ou Masrot. Si je prélève quelque chose chez moi, j'ai encore la possibilité d'annuler mon prélèvement. Au même titre qu'il y a la Atarat Nedarim, si je prononce un vœu, je peux partir ensuite chez le Chacham qui va annuler. Eh bien, figurez-vous que lorsque je prélève, et que c'est encore chez moi, je n'ai pas encore donné au Kohen, je peux partir voir le Chacham et je lui dis, écoute, j'ai mal prélevé, annule tout ce que j'ai dit. Et il va annuler, il va faire comme la Atarat Nedarim, même principe, il va annuler tout ce que j'ai dit, et tout ce que j'ai prélevé s'annule. Et je pourrais refaire un prélèvement. Et là, c'est là où le problème se pose. Si toutefois, j'ai de la trauma chez moi, alors c'est vrai que maintenant... J'ai prélevé que c'est ce morceau de pâte qui va être la trauma. Mais finalement, si je vais voir le Chacham, et je veux dire, je veux annuler le prélèvement, je préfère donner de l'autre côté. Le Chacham, il va pouvoir annuler. Dès qu'il va annuler rétroactivement, il va s'avérer que ce bout de pâte, c'est le mien. Donc en fait, il s'avère qu'en ce moment, lorsque tu me dis, ouais, tu as prélevé, c'est plus à toi, c'est pas exact que c'est pas à toi. Ça peut aussi redevenir à toi. Tu as quelque part gardé une petite corde... Qui te le rattache à toi. Si tu as un problème, tu tires, ça te revient. Donc, tu l'as pas encore, tu t'es pas encore défait de la propriété de lui. De ce fait, Rabbi Eliezer considère que Oil ou Mitchil, dit le Bartanoir, Oil veibae Mitchil. Ouais, Rabbi Eliezer, ça va. Puisque
Puisque s'il veut, Ibae, s'il veut, Michilala, il va être Nish'al Aléa. Ouais. Donc il va être Nish'al comme on est Shoel pour un éder, on demande une permission. Et Rabbi Yoshua, il te dit, écoute, il n'y a pas de raison. Si tu as conclu dans ta tête que tu ne vas pas partir voir le Chacham, pour le moment, ce n'est pas à toi, et puis ce ne sera plus à toi. Tu peux décider que tu ne vas pas aller voir le Chacham aussi. Tu n'es pas obligé de partir voir le Chacham pour qu'il annule ce que tu as prononcé. De ce fait, tu peux te défaire de la propriété de cette manière et ne plus transgresser l'interdit de posséder du Chametz pendant Pessah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Veselah.